Bonsoir, ça va bien et toi? Coucou Monolithe. C'est une bonne question. Ouais, bah de toute façon là, nous au niveau UI, on a du coup la base qui fonctionne. On va essayer de rendre ça utilisable en data. Là, tout est hardcodé. Et je mettais mute comme une grosse merde. Donc bonsoir.
En fait, Personne désolé. t'entendait. Et à chaque fois, c'est moi qui fasse pour le C'est. demeurer. Ouais, non, mais c'est Ouf. incroyable. Incroyable. Bon, bah, C'est le travail bonsoir. d'Istres, ce que je dis, c'est mal même. Bonsoir à tous et bonsoir Monolith. Et opération à 3 parce qu'il y a quelqu'un qui doit arriver. Et pour ceux qui n'étaient pas là hier soir, nous avons une personne qui nous a rejoint sur le projet. Ceux qui sont là, en fait, depuis le début ou qui nous suivent de très loin, ont peut-être déjà entendu parler de GatGat. En fait, qui est l'un des ceux qui ont créé en fait le programme qu'utilise Ulor. Et bah, au final, du coup, il nous rejoint. Voilà, il nous rejoint dans le projet. Ça a été décidé autour d'un verre un peu qui s'est J'ai révélé. bourré. Voilà. Donc, du coup, il nous a rejoint de façon pas bah, définitive, dans le sens où il a rejoint le truc. Il est plus en mode soum-soum en train de nous aider à côté, quoi. Et Donc c'est plus non. officiel qu'avant, quoi. Voilà, c'est plus officiel qu'avant, et c'était pas autour d'un verre de trop, en fait, c'est arrivé, en fait, Ulor m'a dit au bon C'était moment, calculé. qu'au fait, tiens, il fallait que je te parle d'un truc, machin. Il a dit, t'es chaud ou pas? J'ai fait, oui, je suis chaud. Impérativement, je J'ai suis chaud. juste fait en sorte de faire picoler Gadgad pour que ça marche. Et parce que Tout le pourquoi il reste n'était pas au était courant? complètement maîtrisé. Incroyable. Bon, allez, sans trêve de bavardage et tout ça, on se met à faire le caca in the night. Donc, Ulor, je t'ai mis en prio. Terrible. Pourquoi ça? Parce que c'est toi qui compiles, c'est Ça, toi c'est qui fais mal. des trucs. Sur le techo, on va me voir en train de faire un R. Je suis en train de faire en fait une espèce de monstre personnage en fait pour plus tard. Donc voilà ce que je suis en train de faire, quoi. Si t'as mis le fond autour des textes du chat, Ouais. c'est bien ça. Sinon, on voit rien, c'est ouf. Je vais dire ça, mais en fait, non, c'est pas vrai, j'ai rien maîtrisé, je suis en train d'avoir le truc en même temps que toi. Alors ça, du coup, c'est ce que la config je spell Ouais. sur Streamlabs, elle est cloudée. Allez, ça y est, Elle est finalement. sur le cloud, du coup, en fait, le bordel que je fous chez moi, à mon avis, ça, il s'impacte chez toi aussi. Yes. Et inversement, du coup. Bah, du coup, it Parce is que the du coup, cool. on doit avoir en vrai les mêmes scènes. Donc, it is the cool. En vrai, it is le bien. Oui. Voilà. C'est pratique. Oui, it is pratique, en effet. Ah là, attends. D'ailleurs, tiens, je vais en profiter pour mettre le chat sur le techo parce que là, je vois rien. Si les... Bon, même dose que d'habitude, hein, si jamais il y a des questions, des trucs dans le genre. Vous êtes les bienvenus à nous dire quoi que ce soit, hein, nous poser des questions, à faire en sorte que voilà que le stream vive encore un peu, parce que le but étant toujours de bah, d'aider ou de discuter en fait sur la création de jeux, histoire qu'on soit tous un peu en mode on s'aime, on s'écoute et on fait des trucs ensemble. Ce serait pas mal. Vraiment, j'insiste. D'ailleurs, la dernière fois, Monolith, je suis désolé de pas t'avoir vu, mais c'est qu'en fait, en rechargeant la page, j'ai plus vu ton commentaire. Du coup, GodGad va vous aider sur quoi particulièrement? Le code principalement sur l'intégration de la libcontease, forcément. Et après, en fait, l'avantage d'avoir quelqu'un d'autre qui maîtrise le code en parallèle, c'est que du coup, alors je peux me concentrer sur un truc et lui, il pourra expliquer. En fait, ce qui se passe. Sinon, tout seul, c'est vite compliqué en fait de maîtriser le blabla en même temps qu'on essaie d'avancer sur un sujet qui parfois demande de la concentration et beaucoup de concentration pour essayer de pas faire n'importe quoi. On n'est pas en train de déminer non plus une bombe, mais il y a des fois juste en fait prendre 2 minutes pour parler d'un truc, ça casse toute la concentration et après faut se remettre dedans, c'est compliqué. Ouais. Du coup, voilà. En gros. Après, je sais pas, il sera probablement proactif et du coup, il fera d'autres choses, hein. C'est pas impossible. Voilà. It is le sac que nous voulions que ce soit. Est-ce que ceci te va, Monolith, comme explication? Voulez-vous en savoir plus? Ceux qui ont la ref. C'est quoi le nom de la planète?
Attends, il y avait Zegema Beach. Non, oui, il y avait Zegema Beach. Ouais, Il y avait. Zegame Beach, c'est ouais, c'est la plage de voyage là, mais Ouais, c'est quoi le nom de la planète? C'est pas Tsunzunkan ou un truc comme ça? ouais. Ouais, une connerie comme Tout ça. pété comme nom. Il s'occupe de quality assurance en gros. Non, c'est pas Creed. C'est pas Creed. Non, on va pas lui faire ça. Il fait le support client. Alors, si vous avez des questions, bah, du coup, il y a de grandes chances que ce soit lui qui y réponde. Enfin, de grandes chances, ça dépend en fait. Ça dépendra des circonstances, vraiment, parce que si je suis en pause, je pourrais y répondre directement. Mais puis en plus, comme ça aussi, on peut s'assurer que l'un dit pas de conneries avec l'autre. Parce que des fois, quand on essaie de vulgariser, on oublie des trucs importants, des trucs comme ça. Donc. Parce que comme on le dit souvent, c'est que vous êtes dedans, donc vous voyez pas la difficulté. Mais pour d'autres, en fait, c'est déjà un autre monde, quoi, qu'il faut expliquer, quoi. La recherche Google de Starship Troopers Insect Planet Voilà, Name. Clan d'atout. Clan d'atout. Clan d'atout, voilà, exact. Putain, à la vache. À l'aide, quoi. C'est marrant que tant de personnes cherchent ce nom. Plein d'atouts. Le premier, ouais, il envoie du steak. Ouais, bah y a que le premier qui tient vraiment le truc. Mais. Encore, je sais plus c'est lequel, je crois que c'est le 2 où tu suis plus les mêmes persos. Bah non, Et en qui est fait, vraiment c'est. intéressant aussi, parce que il est un peu en mode genre survival, ils sont coincés dans une tour et tout ça, et ils sont Oui, obligés le de résister 2. à des vagues. Il est super cool, mais il est beaucoup moins profond, quoi. Enfin, le premier, il a vraiment un gros message politique derrière, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Qui est marrant parce que apparemment le film, il projette une image politique complètement opposée au bouquin. Oui et Avec non. les mêmes mécaniques, quoi. Oui et non, parce qu'en fait, le bouquin, en gros, si tu veux, il a été. Attends, excuse-moi, j'essaie de comprendre un peu la Je matrice l'ai pas lu que je le vois devant bouquin. moi, mais c'est chaud. Alors, écoute, Mono, je finis juste ça et après on en parle. En gros, ce qui se passe, c'est que moi, je l'ai lu le bouquin. En fait, le bouquin, il prouve, en fait, par un cas concret, en fait, un peu. Parce qu'en gros, on l'avait accusé d'être un peu fascisant, en mode. Oui, il fait l'apologie, tu vois, de la guerre. Pollution militaire à mort, quoi. Voilà, c'est Enfin. ça. Et en fait, justement, dans le bouquin, c'est surfait de ouf. Parce que justement, le but, c'est de montrer à quel point c'est ridicule, à quel point ça va trop loin, et en fait, à quel point, si, même si jamais, genre, c'est expliqué et que c'est logique dans la diégèse de cet univers-là, Ah, ça se c'est retrouve trop. quand même dans le bouquin. Parce que pour le Oui. coup, ouais, dans le film, c'est genre envoyé au milieu de la face, quoi. Enfin, Bah, en fait, tu peux voir tout ce que tu veux voir en fait dans le bouquin. C'est ça le truc. C'est ouais, c'est peut-être ça. C'est et c'est pour la ça que du lecture que tu vas en avoir, quoi. voilà. Et en vrai, moi, je trouve que vu comment c'est exprimé et vu comment en fait, il y a même des gens carrément, tu vois, qui ont un peu une dissidence par rapport à la logique de ce monde-là, ça met un peu en effet en relief que bah non, en fait, ce n'est pas la bonne solution. Que ce n'est pas bien en fait, ça en fait pas l'apologie, ça fait juste en gros bah non, ça pue du cul en fait les gars, on va se calmer, tu vois, donc voilà. Donc sinon on va répondre à Monolith le pauvre. Donc j'essaie de comprendre un peu la matrice que je vois devant moi, mais c'est chaud. Matrice. Parce que t'es en train de faire, j'imagine. Ouais, mais il n'y avait pas de matrice. Oui, enfin le Toute code la quoi, blague. le Oui, code. alors attends, je reviens dessus. C'est lui de trouver le fichier que je cherche. Comment ça parle de lui? Un petit nunchaku. Voilà ça. Du coup, tu parlais peut-être de ce bout de code-là, où en gros, pour séparer proprement. Salut, c'est Ninja. Hello, Sénie. Du coup, en fait, enfin, tout le code qui est ici, c'était du code qui était préexistant, à savoir ici, on charge les datas de deck et de cartes et de tuiles plus récemment. Ici, on crée la fenêtre pour afficher le rendu du jeu. Là, on a une caméra, mais c'est du debug en vrai, on n'en a pas forcément besoin, ça virera sûrement.
Les acteurs, c'est pareil pour le moment, on n'en a pas encore besoin, c'est prévisionnel. Et ici, on a un gros pavé monstrueux qui est en fait bah, justement le menu principal en fait. Donc là, ici, en fait, on a d'abord un premier base widget. Donc les base widgets, c'est l'élément atomique de l'interface. C'est-à-dire que toute l'interface aura toujours, chaque objet aura un base widget, forcément. Et ce base widget, en fait, on va pouvoir lui donner des components différents. Ici, on a décidé de lui donner un component de container. Comme ça, en fait, on va pouvoir contenir plusieurs base widgets au sein du même base widget. Ça a plusieurs avantages, c'est que du coup, si le base widget route qu'on a défini ici, il se déplace, tous les objets qui sont contenus dedans, ils vont se déplacer en même temps. De la même manière si on le resize. Et du coup, après ça, on récupère le container qu'on vient de créer et on vient ici lui ajouter un nouveau base widget qui, lui, par contre, on va lui assigner un component de type texte où on va lui donner le texte pandémie board, l'ajouter du coup dans le container. Et on va faire ça trois fois parce qu'on a du coup le title, en gros, le start et le exit. Et le rendu que ça fait. Il y a toujours le debug de texte. Et du coup, ça rend ça. Donc en fait, là, j'ai pas encore fait de debug dessus, mais il faut imaginer que du coup, le root container, il s'étend de en haut à gauche de l'écran à en bas à droite de la fenêtre. Ici, du coup, on a le premier base widget qui contient un texte component. Donc en fait, c'est un texte widget d'une certaine manière, parce qu'il a que ça. Et après, on a les deux autres où, du coup, on peut voir que techniquement, si je déplace le route, on aurait tout qui serait décalé. Pour le moment, c'est pas encore supporté. C'est ce qui viendra avec le temps. Alors, pour le moment, Belle on a déjà en tout cas conjonction. la gestion de rendu, en fait. Enfin, le rendu marche. Après, on mettra en place les comment dire les interactions entre les widgets entre eux. Trop de notions, tellement de notions. Oui, bah écoute, s'il y a un truc que tu ne comprends pas, n'hésite pas. S'il y a un truc que tu veux que je détaille sur comment ça marche, n'hésite pas non plus. Détailler la création, la rigueur. Typiquement, bon, sur les containers, en fait, il n'y a rien d'intéressant parce que par définition, un container, c'est vraiment juste une liste. Donc, il n'y a pas de paramètres particuliers d'envoyer. Les allocations, en vrai, enfin, les allocateurs, on va passer vite fait dessus. En fait, on en a besoin dès qu'on a besoin de créer de la mémoire. Donc, en fait, un texte, nécessairement, c'est stocké dans un espace mémoire. Donc, on a besoin d'un allocateur pour pouvoir lui assigner cet espace mémoire. Ensuite, on lui donne le texte. Ensuite, on a du coup ici la couleur du texte et la size, la font size. La size du widget est différente de la font size. C'est tricky, mais c'est logique. T'inquiète, c'est très clair, je comprends. C'est surtout qu'il me faudrait des années d'études et de boulot pour comprendre à 100%. Ouais, en plus, lui, c'est vraiment pas le domaine le plus simple à comprendre. Enfin, personnellement, j'en ai fait quelques fois et à chaque fois, il y a vraiment des trucs super chiants à gérer. Enfin, typiquement, devoir gérer les tailles de fenêtres différentes, t'as le DPI aussi qui est censé être à gérer. Je crois que t'as la résolution qui peut être différente aussi. C'est vite complexe en fait pour avoir un système de vie qui tient la route, ça devient vite tentaculaire en fait. Mais c'est pour ça qu'il faut directement tout de suite poser des bases stables et simples, parce que sinon tu peux vite te retrouver à devoir avoir plein d'objets qui interagissent entre eux. Et voilà, typiquement les containers, ils sont importants là-dessus, parce que du coup en fait là on en discutait en fin de stream avec GetGat. C'est que le but du root container, c'est que lui, en fait, il va contenir que ce qu'on pourrait appeler les pages du UI.
en fait. Typiquement, ici, on a la page menu principal, qui du coup serait un autre container en plus du route. Mais juste en fait, quand on va dire par exemple start, là on retirait le root container du. On retirait la page UI main menu du root container pour ajouter par exemple la page de sélection de mode. Et ce sera du coup un autre container complet qui du coup dépendrait de la taille de la fenêtre, qui se placerait comme il faut. Et, de toute façon, les root containers de page, à chaque fois, ils vont commencer en 0,0 et finir sur la taille de la fenêtre. Sinon, c'est qu'il y a un truc qui s'est mal passé si on a besoin de faire autre chose. Et dans ce cas-là, on fera pas ça en prod. Ce sera plus simple. Et du coup, voilà, en fait, là, c'est carrément de l'anticipation, hein, parce que c'est... un domaine plus fastidieux que l'animation, le motion design. Franchement, je sais pas. Hein. C'est quand même assez vénère aussi l'animation et le motion. Enfin, de ce que j'en ai vu, du peu que j'en ai vu, ça avait l'air quand même assez vénère. Mais ouais, du coup, là, on a la base vraiment minimaliste qu'on peut avoir en fait. Déjà, parce qu'on n'a toujours pas de widget de texture, donc ça viendra avec le temps aussi. Pour le moment, on n'en a pas besoin, mais ça pourrait être sympa. Et du coup là le but qu'on va essayer de faire aujourd'hui je pense, ce qui pourrait être cool en tout cas, c'est de représenter l'UI en data texte, comme on l'avait fait pour les cartes en fait. Où du coup justement on a les descripteurs de cartes qui disent oui bah voilà j'ai une carte qui s'appelle comme ça et la telle description machin tout ça. Là on pourrait avoir un descripteur d'interface qui dirait bah voilà moi je suis le main menu, je suis un container et j'ai trois bases widgets qui contiennent des textes chacun avec telle valeur. Comme ça en fait si on doit changer un morceau de l'interface, on n'a pas à recompiler le jeu. Et ça, c'est quand même vachement pratique parce que les itérations sur l'interface, c'est long et fastidieux. Mais du coup, voilà, on va essayer de faire ça. Ça vous convient? Ça va. Ok. Tac, 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 tac. Oui. Toi, tu fais quoi, Norse, en attendant? Je fais plusieurs ébauches des idées de perso, puis après je vais recommencer à continuer à équilibrer le tout. Voilà. Voilà ma On a mission. combien de persos là? Alors, J'ai pré-shot la question de monolithe. Tonteux. du coup, Nord, tu continues. Oh, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On a 19 de persos qu'on a déjà équilibrés. Donc, qui serait fini entre guillemets, mais tu sais quoi, on va faire le 20e. Tiens, on va faire le 20e ensemble, comme ça peut faire un truc sympa. Alors, ça fait beaucoup là, non? Non, ça fait beaucoup là, non? Non, tiens, je me suis entendu deux fois. Salut, À cause de moi. ah. À cause de moi. Écho, 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 écho. Mais Je voulais voir encore! si on entendait la musique. C'était pas D'ailleurs, sûr qu'on entendait la musique, en fait. juste un truc, les gars et les filles, on entend comment la voix, elle est comment? C'est-à-dire qu'on entend bien Hulor, on m'entend bien, la musique est pas trop forte, des conneries comme ça? Le check-up sonore. Ouais, faisons un check-up sonore. C'est bon d'après un monolithe. On t'entend trop. D'après ces ninjas, on t'entend trop.
Non mais attends, attends. Alors je sais pas si c'est une pique ou si Ouais, c'est non mais c'est ça, si hein. c'est vrai. C'est ça, hein. Est-ce que c'est une pique, c'est ninja ou est-ce que c'est Vrex? Désolé, c'était trop tentant. Ouais, d'accord, ok, donc c'était une pique. À un moment donné, il va falloir que tu te calmes, hein! Incroyable, ça! Bon, alors. On va se faire la petite chamanette, là. Loki. Merci, Yasin. C'est noted. Alors, pour cette chamane, j'ai pris du coup une référence des habits mongols. D'accord? Donc c'est pour ça qu'elle est un peu pâle et tout, parce que bon, step, pas l'MDR. Donc, on va faire une chamane. Tac, tic, tac, tac, tac. Donc on va faire là, les gens bleus là en chamanique, ça va stylé. Donc, hop, hop, on prend le document d'équilibrage. D'ailleurs, n'hésitez pas dans le chat. Alors, je sais qu'on n'a pas de bot encore. Mais bon, je cherche un peu un bot qui pourrait faire ça, sinon il va falloir faire ça à la main. Mais si vous voulez switch sur une partie, vous le dites. D'accord? Du genre, si vous voulez voir la partie code, vous dites on voudrait voir le code en premier plan, là, comme c'est le cas maintenant. Si vous voulez voir la partie genre, qu'est-ce qu'il fait avec ses persos? Ben, on peut faire ça aussi. It is cool. Comme vous voulez. Moi, j'ai mis le truc de Aeroforge en fait pour ma partie en mini parce que, bon. Voir un espèce de document Word qui défile sur le petit bas côté, là, quand même, c'est assez moche. Alors qu'une petite image à la con, à la rigueur, c'est marrant. Donc voilà. Bon. Faut que je reprenne mes spells, moi. Pandémie. Vie. Vie. Après, on va se faire une petite invocatrice, là, style invocateur d'équipement, ça va être stylé. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est ça? Oui, d'accord, très bien. Hop. Donc. Pif, paf, pouf, paf, paf. Donc, là-bas, c'est 1 et 10. Alors, oui, donc peut-être que vous étiez pas là, Monolith et Ninja, mais il y a eu un live où, en gros, on a réexpliqué un nouveau système d'équilibrage qu'on est en train d'utiliser. D'accord? On a fait en fait une règle. On a utilisé une règle qui revient assez souvent dans les jeux vidéo, slash jeux de plateau en règle générale, mais qui. En fait, elle est non officielle, d'accord? Donc c'est. Mais ça a été par exemple une des choses qui a été utilisée, il me semble, dans Darkest Donjon. Enfin, en tout cas, ça se voit de loin. Hein. Si ça se trouve, ils ont fait un autre truc et tout, mais en tout cas, ça y ressemble dans les stats de base. Et en fait, c'est ces stats de base, en gros, qui va nous permettre de build up un perso. Tout en étant, on va dire, un peu plus safe sur déjà sur ses stats de base, déjà on peut savoir ce qu'il fout là. D'accord? Ses caractéristiques, si jamais elles sont trop puissantes, on sait par exemple à ce moment-là qu'il va peut-être falloir lui enlever des points de vie et tout ça. Faut tout réexpliquer. Ah, quel enfer! Bon. D'accord. Ulor, tu me permets, je vais switch. Vas-y, vas-y. Ok. Alors je vais switch, hein. Tac, non, c'est pas le bon swap. C'est pas le bon swap non plus. Incroyable. Voilà! On y est! Donc, on va repartir du début, hein, les gars, les copains. Comme ça, on va essayer de faire vite. Donc, au tout début, le template d'équilibrage, en fait, se basait seulement sur une espèce de 30 points. Ok? Donc, les héros, en gros, ils avaient 30 points pour eux. Et sur ces 30 points, en gros, il fallait qu'on lui donne, en fait, des capacités. Ses capacités de combat, ses capacités aussi de guild, sa capacité de guild, vu qu'ils n'en ont qu'une. Et en fait, on avait fait une échelle de valeur des spells 1, 2, 3, tu vois, qui faisait faible, modéré, puissant. Et en fait, ça faisait 2 pour faible, 3 pour modéré, 5 pour puissant. En gros, ça, on enlevait sur les 30 points, par exemple, si jamais il avait une capacité puissante, on lui enlevait 5. Donc, du coup, il n'avait plus que 25 points. Et on enlevait à chaque fois qu'on mettait une capacité. Donc, si bien qu'à un moment donné, sur le restant des points, on devait lui attribuer des PV et ses points d'attaque. Donc, ce qui a été le cas, par exemple, pour Scombatus Le Vert. Donc, on voyait, là, par exemple, là, pendant la proto-maquette, le premier exemple qu'on avait fait en live de ce qu'aurait peut-être été le système de combat, machin et tout ça. Donc, le mock-up.
On avait vu qu'en gros il avait eu ces stats là au début. Donc comme ça du coup on a remis cette échelle de valeur là sur ses capacités, hein, comme ça. Du coup ses capacités, ça a changé du coup ses PV et ses points d'attaque. Donc ça l'a buffé. D'accord? Sauf qu'on s'est rendu compte par la suite que c'était un peu faible comme template d'équilibrage, que c'était un peu faible pour essayer de rendre certaines classes de héros plus intéressantes et mieux dosées, on va dire, si je puis dire, au niveau de leurs attaques, de leurs PV et machin, et pour permettre un gameplay un peu plus varié, malgré le peu de choix en fait qu'il y a dans le jeu de personnalisation, on va dire, de combat ou quoi que ce soit. Donc, du coup, on est reparti. D'accord? Donc, là, ça, là, je vais vous expliquer. D'accord? Donc, en fait, on est parti d'un principe de base qui peut peut-être changer, hein, qui peut peut-être changer. L'intérêt, c'est que quand on a vu qu'il y avait un problème avec ce template d'équilibrage, on s'est dit, merde, c'est chiant. Parce que du coup, on va essayer de repartir, en fait, de zéro et on est parti sur le JDR. Ce qui nous a, enfin, ce qui nous propulse en fait à faire ce jeu, ce qui nous motive, ce qui est nos références et tout ça. En gros, il y a toujours ce système de armure, ce que tu as comme arme qui va décider de combien de dégâts tu vas faire ou combien de dégâts tu peux prendre dans la figure. Bon, alors, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on a fait une épreuve à 3 pour les PV et pour les dégâts. D'accord? Et après, on a fait ça par classe. Alors, je vais vous expliquer. Vous inquiétez pas. En fait, c'est super simple. D'accord? En fait, à la base, tous les héros, en fait, bénéficient de la base. D'accord? Là, qu'on peut voir là. Je sais pas si ça se verra bien sur le live. Visiblement, oui. En fait, la base, c'est le premier chiffre qui va être invoqué. Donc, ça, tous les héros démarrent au moins avec un point de dégâts et 10 PV. Ok? Oui, ça a bien avancé au final. Ouais. On a juste recommencé le jeu une fois, hein. Ça veut dire que ça se passe bien pour l'instant. Mais je pense qu'à un moment donné, on va devoir le recommencer encore une fois. Enfin bref, juste pour finir. Après, il y a la classe. D'accord? Donc c'est-à-dire guerrier, rôdeur, mage, tout ça. D'accord? Ça, c'est le deuxième chiffre. Parce que tu vois, tout le monde aura sa deuxième base de classe. Donc là, par exemple, on a pris l'exemple d'un paladin. Donc du coup, en attaque, il a 3. Donc le deuxième chiffre pour les dégâts, ça va être 3. Le deuxième chiffre, ça va être 10 parce que 10 PV. Et après, il y a l'armure et l'arme. Donc, dans l'idée du perso, toutes les armures vont avoir des points. Donc, c'est-à-dire que si jamais c'est un perso armure lourde, il va avoir les 10 points de vie là, qu'on a rajoutés au paladin. Donc, parce qu'il porte une plate lourde, tu vois. Donc, on va pas lui mettre plus 1 seulement, sinon c'est con. Donc, du coup, en fait, ses PV à la fin vont devenir 30. Du coup, il a 30 PV. Son arme, vu qu'on avait décidé qu'en gros il avait une épée, que c'était 3, et que bon, les boucliers on a mis à 2. Mais bon, c'est juste, voilà. Donc du coup, ça fait qu'il a normalement 5. Dans cet exemple-là, on lui a enlevé ça, on lui a juste mis une arme lourde, une épée à 2 mains, là. Donc du coup, il a 1 qui est sa base, 3 qui est sa base de sa classe de paladin, et son arme qui est son épée lourde seulement, du coup, il a 7. Donc du coup, ces trucs-là finissent à 30 et 7. Donc 7 de dégâts pour 30 de PV. Le truc, c'est que c'est pas fini. Ok? Parce que vous vous souvenez là de la première du premier template d'équilibrage des capacités. On a récupéré ça. On l'a pas totalement mis aux orties. En fait, ce qui se passe, c'est que on a récupéré ces chiffres-là, 2, 3, 5 et tout ça. On les a. En fait, non, ça, on les a foutus en l'air. Mais en gros. Il faut que, au maximum, le héros, en additionnant ses deux capacités de guilde, enfin non, ses deux capacités de combat, là, ses capacités d'attaque, là, quand il est dans le donjon, et sa capacité de guilde, ne doivent pas excéder 6 points. Donc, c'est-à-dire 1, 2, bah 3, plus 3, ça fait 6. Ok? Si jamais il dépasse, qu'est-ce qui se passe? Eh bah, bien, le surplus. Par exemple, si jamais il a 7, il a dépensé du coup 7 points au lieu de 6. Bah du coup, on va enlever un point à ses PV et à son point d'attaque. D'accord? Donc du coup, comme ça va l'équilibrer encore plus. Donc du coup, voilà, si jamais on trouve qu'il y en a un qui a des capacités beaucoup trop pétées, bah t'inquiète pas qu'il y aura une répercussion sur sa gueule, en fait, en termes de stats purs. Sachant qu'on peut toujours attaquer blendement sans utiliser une capacité, hein, ça c'est autorisé. Donc,
Voilà, donc du coup on est reparti sur JDR, hein, tout bonnement, hein, en mettant des stats supplémentaires au perso, tout simplement. Et bah, je suis content que ça te plaise, Mono. Et du coup, là après, il y a une autre règle qui rentre en place. Parce que du coup, avec cette règle-là, il faut savoir qu'il faut quand même mettre des espèces de, pas de barrières, mais des étapes, des points étapes. Genre ça c'est ok, ça l'est plus. Ok? Donc on a décidé que par exemple, dans cet exemple-là, pour l'instant, le minimum des PV que, que les persos devraient avoir, le minimum, hein, toutes classes confondues, on s'en fout, hein, même avec leur stat, hein, avec leur base, avec leur classe et avec leurs armures et armes équipées. Hein. Donc on prend ça en compte. Il faut qu'en PV, le plus faible soit à 17, pas moins, en vrai. Ou, pour ceux qui seraient dans la supériorité, genre en gros ceux qui ont le plus de PV dans le jeu, doivent être à 34 maximum. Pas plus. Mais, vu que c'est un jeu avec des capacités qui peuvent par exemple vous permettre de vous protéger d'une attaque au prochain tour ou des conneries comme ça, en gros d'avoid les dégâts, cette constante-là, 17 et 34, en fait c'est juste un marqueur de attention, là on est dans l'abus des deux extrêmes. Donc, si jamais on doit baisser par exemple en dessous de 17, on doit pas faire trop, c'est-à-dire maximum 15, tu vois. Juste deux en dessous, mais c'est parce que vraiment, voilà, le personnage à côté, soit il est hyper pété en termes de capacité ou quoi. Et 37, parce que bon, on imagine que le mec, en gros, il a des capacités de merde. Par contre, lui, il est là pour être un sac à viande qui se prend plein la gueule et que c'est ok. Les attaques, c'est pareil. En fait, il faut partir d'un principe que il faut que la plus petite des attaques et la plus grande des attaques sont aussi prises en compte. Ok. Donc, il faut que 14. Qui est, on va dire, en fait, dans la règle, tu prends 3 points en moins du minimum de PV, ça c'est ton maximum d'attaque. Pourquoi? Parce que ça évite les two-shot, ou le one-shot en fait. Non, le two-shot, non, ça l'évite pas parce que tu peux le faire, mais le one-shot, il faut impérativement éviter qu'un personnage héros, si jamais il tombe sur un autre héros, se fasse one-shot, sinon c'est pas drôle, sinon le héros est pas jouable, et donc du coup, il y a un échec du template d'équilibrage. Et 8 étant normalement le plus bas, parce qu'il faut quand même, tu vois, que les persos fassent un peu des dégâts aussi. Mais ces deux variables sont comme pour les PV, changeables, en mesure de ce que tu fous comme capacité au héros. Donc voilà, donc c'est ça le template d'équilibrage qu'on utilise, ok? Pourquoi on a fait... Alors, il y a, un calcul très simple. Il faut que dans les attaques, il faut que le plus petit soit au moins un point supérieur à la moitié du maximal. D'accord? Dans les PV, il faut que ce soit au moins 3 points en plus. Non, pardon, il faut que ce soit au moins la moitié des PV maximales pour les plus petits. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est 17 et 34. D'accord? Parce que du coup, comme ça, il y a une réelle différence entre un héros qui est là pour s'en prendre plein la gueule et qui peut tenir quand même des attaques à la longue, et un héros qui est là vraiment pour, bah, pour autre chose en fait, qui est pas là pour s'en prendre plein la figure. Et les attaques aussi doivent refléter ce genre de choses. Okay, donc on a changé aussi certaines capacités, parce que tenez, on va prendre l'exemple le plus con au monde, Squamatus, l'un des héros des proto-maquettes, qu'on a utilisé d'ailleurs pour le template d'équilibrage. Ça c'était pendant la deuxième phase du template d'équilibrage. Okay, donc là on peut voir qu'il a 8 en attaque de base, 16 en point de vie, il a la capacité pistache, chasseur nez, bref, on a fait tout ça. Maintenant, on va quand même essayer de montrer... Taki, 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 il est où, monsieur Squamat? Voilà, tiens, pouf. Comme ça, je vais vous le mettre. Hop. Donc. Ok, donc, par exemple, là, Squamatus, il a quand même bien évolué, hein, faut pas déconner. Par exemple, là, on voit qu'il a une attaque de 12 et un PV de 24. Il a évolué, parce que maintenant, avant, il était à 8 et à 16. Alors que maintenant, il est à 12 et 24. Il a juste doublé toutes ses stats de base. Hein. Donc voilà. Maintenant, il n'a plus pistage. Pistage, en fait, est devenu une... Enfin, si, là, mais au lieu que ce soit une capacité de donjon, hein, un D1, d'ailleurs, on voit que là, du coup, ça fait 6, hein, en termes de ses capacités. Donc, du coup, il n'a pas subi de nerf au niveau de ses stats de base. En gros, pistage est devenu une capacité de guild. Donc en gros, ça devient un héros qui est excessivement intéressant à avoir en guild. Mais il peut être très intéressant en combat, parce que du coup, il a chasseur nez, hein, donc ça, il l'a gardé. C'était sa deuxième capacité de donjon, ça, chasseur nez. Donc c'est toujours, il choisit une cible au début du combat, tant qu'elle est en vie, elle lui fait toujours deux fois plus de dégâts.
Et après, il a aussi gagné du coup une nouvelle capacité, croc empoisonné, qui permet en gros d'empoisonner une cible. Ok? Voilà. Donc du coup, il a bien changé. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un délire. Donc voilà. Donc c'est ça en fait le template d'équilibrage qu'on est en train de suivre en ce moment. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Alors je sais, j'ai expliqué ça très mal, mais en même temps, je vais faire. De toute façon, il faut que je réécrive le template d'équilibrage au propre. Parce qu'après, le but, c'est aussi de vous partager les documents. D'ailleurs, on va devoir vous commencer à vous mettre des choses. D'ailleurs, Ulor, excuse-moi de te demander ça. Oui. On en est où en termes merde, comment on appelle ça? Du lexique. J'ai noté quelques trucs. D'accord. Et d'ailleurs, enfin voilà, c'était juste pour demander ça, parce que normalement le lexique, on va quand même essayer de vous le mettre le plus vite possible en Oui, ligne. non, mais tout ce qu'il y a à faire en dehors du stream, ça retombe sur moi, donc. Non, mais oh là là, prends-toi tout de suite, quoi. Là, tout de suite. Et du Coucou coup, Gadgat. salut Gadgat! Démute. Bonsoir. Swear! Alors, bienvenue aux nouvelles arrivantes de la team James Spell. Comment ça va? Encore? Ouais, les gens étaient pas là hier. Oh là là. Il va te faire ça pendant 5 streams. Ouais, minimum. Eh ben, ça va bien. Ça va bien? On entend bien Gat-Gat ou pas? J'ai l'impression qu'on l'entend pas très des masses, quoi. Ça a l'air d'aller. Je demande au chat. Parce que le chat. On est où, dit dev du jeu? Vous savez qui sort demain? Mister FB, je vois David Cage. Impeccable, très bien. Impressionnant. Alors, Gadgat, on a profité pendant que t'étais pas là pour expliquer qu'est-ce que tu foutais dans la team. Ok. Est-ce que tu Pas veux. grand-chose, du coup, ça a dû être rapide. Je sais pas. Ça, c'est l'humour et tout, on aime bien. On aime bien l'humour, on aime bien gigoler. D'ailleurs, hé les gars, hein, je vous ai mis un truc sur Discord, hein, un channel pour le code help, comme ça se noie pas avec les autres trucs qu'on fait. Ah ouais. J'ai vu. Merci. Hein. La vie des développeurs, c'est pas toujours facile. Oui. Oui. Même c'est toujours pas facile. Du coup, c'est jamais facile, c'est ça que tu voulais dire. Ah ouais, c'est un genre d'humour aussi. C'est de l'humour. C'est une astuce. C'est une astuce incroyable. Tac, 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 tac. Ah oui, tiens, juste un truc. Là, en fait, j'avais oublié de préciser une chose. Il faut aussi qu'on garde en tête les gens, je dis ça pour le stream, mais aussi pour nous. On a évalué à peu près le nombre de cartes nécessaires pour que le jeu tourne. Ok? En petite, en grande et tout ça. Donc, en termes de cartes événements, il en faudrait au moins 75. Ok. Maximum 75. D'accord? Et je parle juste des cartes événements. Pourquoi? Parce que vu que c'est les cartes qui vont déterminer en fait tous les rounds, parce que tous les rounds, il y en a une qui va sortir. Et du coup, ça nous permet d'avoir une certaine variété. C'est-à-dire qu'on peut tomber sur des games qui ne vont pas se ressembler les unes aux autres, en fait. Donc c'est pour ça que le chiffre 75. Parce qu'on part déjà sur un principe de petit donjon pour commencer, puis après on verra comment ça évolue, si jamais c'est OK, LOL MDR, est-ce qu'on peut se permettre de faire plus ou quoi. Mais dans le but, là maintenant tout de suite, les nombres c'est à peu près 75 maximum. Idéal, il en faudrait 60. 75 c'est vraiment genre c'est cool, ça donne beaucoup plus de variété. Mais 60 c'est bien. Donc court. Il n'y aura que des cartes différentes ou il y aura des répétitions Alors, peut-être l'effet est répété, c'est-à-dire que, bah, en gros, on peut résumer la carte à il y a un combat. Ouais. Y aura, oui, si jamais on part de ce principe-là, oui, mais l'effet est différent. D'accord? L'effet est répété, mais l'effet est différent. En fait, le contexte est différent. Non, mais c'est, tu vois, tu commences déjà. Gadgat, t'es sûr que tu veux Non, rester? mais j'essaie de comprendre. Non, mais par J'essaie exemple. d'avoir des informations claires. Ouais. En gros, tu auras une. En fait, si tu veux, ça se résulte. L'action se résulte à un combat. D'accord? Ouais. Mais
ça peut être en mode genre vous faites attaquer par 4 gobelins, 4 gobelins. Donc du coup il y a un monstre nommé dans le délire, c'est pas des monstres en mode bah oui, tu pioches dans le tas et on verra le premier monstre qui sort, tu vois. Alors, c'est la même mécanique mais oui, avec des configurations différentes. Voilà. Donc ce qui fait que en fait par exemple t'as un combat qui peut commencer en gros ça invoque un demi-boss quoi. Donc t'es content d'être venu, tu vois, de là en mode genre, ah oui non c'est un combat mais c'est pas un combat sympa quoi. C'est, on va pas se faire des chipots, tu vois. C'est ça le problème. Ouais, c'est problématique parce que c'est bien les chipots. Oui, non, c'est bien les chipots. Moi aussi j'aime bien les chipots. C'est un 4x4 le nouveau cauchemar. Ça commence. La dissidence est en marche. Je suis là pour ça. Lui-là, il m'a appelé au secours parce qu'il arrive plus à dire. Ça va. Il t'a appelé au secours carrément? Parce que moi, ouais, j'ai pas eu moi toute l'histoire. Moi, j'ai juste eu au bar. Gat, ce serait bien qu'il nous rejoigne. Je fais ouais, carrément. C'est tout ce que j'ai eu. Hein. En direct, je croyais que vous en aviez parlé avant. Quoi. Ah non, non, mec, ça a été, mais instantanément. tu t'en es pas rendu compte hier soir. Enfin, hier soir, non, l'autre soir. Non, non, je pensais que t'étais discuté, préparé. Tout. Ah non, non, absolument pas. Hein. Mais ça avait l'air vachement bon. Parfaite. Très fort. Non, non, mais il m'a eu avec la chouffe et tout. Ah ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il a payé les bières. Ouais, il m'a soudoyé. Non, ça, c'est parce que je suis riche. Ouais, ça. Non, c'est parce que tu sors plus. Oui. C'est pas faux. Du coup, faut en profiter, hein, parce que d'ici un mois ou deux, il y en a plus. De quoi? Comme de thunes ou de... De thunes, bien sûr. D'accord. Non, bien sûr. On aura tout bu. On aura tout bu. L'alcool, c'est mal. Par contre. Cool. Oui, ne buvez pas d'alcool, c'est mauvais pour la santé. Parce qu'il y a des mineurs sur le chat, tu vois. Ah. Alors, Ulor, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train d'essayer de faire le MDF du menu pour en fait l'avoir quelque part pour pouvoir me référencer quand je suis dans le code, parce que sinon je vais oublier comment je voulais faire. J'adorais le. Bon, du coup, Ulor, que fais-tu? C'est du remplissage. Le petit remplissage. Parce qu'en fait, on a fait la description de l'interface en code, mais le but c'est que ça soit chargé depuis les données, le MDF. Comme ça on peut le changer l'interface sans recompiler le jeu. Tu refuses plus flexible. Flexible car toi t'es devenu Startup Nation quoi. Ouais, c'est la flexi sécurité on appelle ça. Incroyable ça. C'est fou. Alors attends, deux secondes, je reviens. Enlever ma chemise et mettre un t-shirt parce que là je commence à avoir un peu trop chaud. Well. Well. Tu reviens. Par contre pour le MDF, monsieur. Oui. T'as mis des trucs en trop, je pense. T'es pas obligé de faire base widget égale base widget. Tu peux faire base widget égale et parenthèse, bam. Ouais mais je me disais, tu vois, si tu dois préciser le type à certains endroits, autant le préciser tout le temps. Comme ça, tu vois, tu load un object et tu peux juste regarder le nom. Non. Ouais, non, mais tu. En fait, ça va pas. Ça va pas. Même pas marcher en fait, ça c'est ouais, illégal. C'est ça. C'est un peu la tristesse. Bah, si tu veux préciser le type, au lieu de mettre base widget, tu l'appelles autrement. Tu l'appelles pas base widget. Ouais, mais tu vois, c'est un base widget. Ça, le truc, c'est qu'après, si je dois process le truc automatiquement, il faut qu'ils connaissent le type. Ouais, bah tu l'écris dans le nom. Ouais, et du coup, c'est, en fait, c'est déjà ça. Ça, c'est un base widget, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Non. Genre, c'est littéralement le type, ça, en fait. C'est pas son nom qu'on aimerait lui donner, tu vois. Si on devait lui donner un nom, tu vois, ce serait le exit widget ou un truc comme ça. Mais là, oui, d'accord, oui. Oui. Bah voilà, bah du coup c'est bon. Enfin, je comprends pas du coup. Parce qu'il te... Non mais je sais ouais, pas, j'ai du bugué dans mon cerveau. C'est tu peux faire le type, du coup tu chasses le type qui est là et puis c'est bon. Ton parseur il fera le taf. Ouais, il pètera un casque parce que ce sera pas le bon type. Par contre, je crois que j'ai oublié des trucs. Parce que j'ai réussi à...
Bah, du coup, il y a des, y a pas de vecteurs en MDF. Non, il y a des tableaux. C'est des tableaux, faut faire des tableaux, quoi. C'est ça. Exactement. Oui, bah size, pour le moment, ce sera en dur. Allez, hop. Il arrive pas à enlever sa chemise. C'est compliqué aussi, hein, tu dis ça, mais... Est-ce que t'enlèves des chemises souvent, toi? Bon, alors. Bah, ça fait longtemps que j'ai pas enlevé de chemise, hein, c'est vrai. Peut-être que ça a changé. Ils ont des nouveaux systèmes, non? Mais ils répondent sur le chat, en plus. Je vais croire qu'il y a des gens sur le chat, du coup. On peut. C'est tout ça pour avoir des views. Pour avoir la Twitch money. Ça devrait ressembler à ça. Il vous paie même pas. Eh non, terrible, hein. Ça de manière purement bénévole. C'est honteux. On se fait exploiter. Je crois qu'on se fait exploiter tous les jours au travail. Mmh. Du coup, normalement, le MDF, il devrait ressembler à ça. Ça a l'air pas mal, ouais. Cool quand même, en vrai, si on arrive à faire ça comme ça, hein. Ce serait pratique. Ouais. Syndicalisez-vous. Mais enfin, ça va non plus, je suis pas rockstar. Hein. Je commençais pas. Hein. Je peux quand même syndiquer, je vois pas le problème. Je rendis syndiquez-vous. Ouais. Mais y a pas de syndicat de streamer de jeux vidéo. Mais attendez, y a pas de syndicat dans le jeu vidéo. Vous n'avez jamais entendu parler du syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo? Voilà. Le prosélytisme. Insert autopub. Là, c'était... On n'a pas forcé, c'était le thème de la discussion. Ah, c'est pas de notre faute si les viewers ils veulent en savoir plus sur les syndicats du jeu vidéo. C'est vrai. Il faut répondre aux attentes des viewers. On est déjà syndiqué. Non, un syndicat qu'il est bien. Le syndicat qu'il est bien. Et syndiquez-vous chez vous aussi, à votre maison. C'est important. Eh oui. C'est important. Soutenez votre syndicat local. Ouais, du coup... Y'a plus qu'à, comme ils disent. Ah, un truc... Hop, hop, yes, yes, oui, non, ok. Qu'est-ce qui se passe? Merde, j'écris ce spell. C'est qui la madame là, que l'on voit? Ah, c'est la panécromancienne. Oui, c'est la chamane. D'accord. Je me suis inspiré de la culture mongole. À court. Putain, mais j'ai oublié ma bouteille d'eau. Attends, je reviens. Il trouve toutes les excuses pour pas travailler, lui. Hein. Il est fort, le con. Ok, bon. On va prendre l'exemple, du coup. Et c'est le ref. Alors... X. Impressionnant. Alors. Ça va quand même être un sacré merdier le loading de du. Ouais. C'est vrai que ce soit tout fait automatiquement, ça va être velu. Hein. Ça va, ouais. Faudra bien. Je pense que tu découpes pas mal.
Tu vas devoir faire des trucs récursifs, vu que ton MDF est récursif. Bah c'est ça. Ça va être funky. Hein. Après tu vas me dire, tu vois, tant que j'ai un truc load widget qui dedans, en fait, regarde le type du component. Load le component, et si le component, bah c'est un... Enfin, de toute façon, le component, c'est forcément un base widget. Non, c'est un... C'est juste dans le cas où c'est un container où il y aura des base widgets qui vont se faire. Enfin, tant que les fonctions soient atomiques, ça devrait aller, mais... Oui, c'est ça. Ça va le faire. Il y a sûrement un moment où je vais me taper un switch monstrueux à base de bah, est-ce que ça s'appelle base widget, est-ce que ça s'appelle text component, est-ce que ça s'appelle... Ça on ne démordra pas, je pense. Bah, tu peux faire comme t'as fait pour... Du coup, c'est arrêt le type de MDF kind. Hein, ouais. Tableau. Tu peux faire comme t'as fait pour les cartes là. T'avais fait un des paires de strings vers une fonction et puis après tu boucles dessus. Ouais. C'est juste là en plus. On le voit d'ici, regarde. Ouais, c'est ce que je me disais. Je pense que tu pourras faire le même. Du coup, ce sera sûrement ça. Hein, de toute façon, il n'y a pas le choix. Mais c'est-à-dire que c'est un peu chiant parce que du coup, à chaque fois qu'on rajoutera un tif, il faudra bien penser à revenir ici pour le loader. Ah. Quoi. Ça, de toute façon, on n'a pas le choix. Quoi. C'est. Copier-coller de l'enfer. Ça m'arrive aussi. Tiens, je vais peut-être le mettre dans l'erreur. En vrai. Allez. Hop. Et elle est finie. Ça y est, nous avons fini cette chamanette. Chamonix. Bon, par contre, je n'ai aucune connaissance de nom mongol. Qui chaman mongol. Hop là. J'ai fini. Ça, par contre, pas un arrêt, ça. Si c'est un arrêt actuellement les components. C'est encore un arrêt. Tac. Donc. Hop. No. Bon, alors, je vous dis vite fait ces capacités là. Ah oui, raconte-nous ses capacités. Ok, donc sa première capacité c'est Esprit de Rage. Donc en gros pendant 3 tours, vos héros en donjon ont plus 3 à leurs dégâts. Déjà, donc c'est un petit buff. Deuxième c'est Vision Chamanique. Vous prédisez la prochaine cible qui sera attaquée. Pas mal ça. Et sa compétence de guild, c'est sa plus puissante capacité, c'est Totem de Vie. Vous produisez l'item Totem de Vie. Le prochain héros qui subira assez de dégâts pour le tuer survit avec un point de vie restante. Le totem est détruit après. Qui est pratique. Voilà. Donc, on est sur une chamanoun plutôt sympa. Par contre, les compétences, c'est toi qui les as faites ou c'est inspiré direct d'un jeu de rôle? Alors, c'est moi qui les ai faites et une grosse partie en fait est inspirée du jeu de rôle, en fait, d'où de l'univers d'où vient ce jeu-là. Qui a été créé par moi, donc en gros, j'ai tout créé. Donc, d'accord. T'as pompé sur toi-même. Ouais, voilà, je me suis auto-pompé. Ah non, mais, c'est honteux. Ah, bravo. Alors. On se fait une invocatrice maintenant. Yes! Invocatrice objet. Parce qu'on est comme ça, nous. Tac.
Ah, au fait, ses PV et ses points de dégâts sont un peu supérieurs dans le sens où en fait elle avait 9 et. Non, elle avait 8 et 19 en stat flat. Parce que vu que l'équilibrage en fait de ses spells c'était 1, 1 et 3, donc ça veut dire qu'en gros elle avait dépensé que 5 points sur 6 pour ses spells, bah du coup on lui a rajouté un point à ses dégâts et à ses PV. Voilà, truc d'équilibrage, tout ça, toi, tu sais. Donc, alors moi je l'aime bien, moi c'est l'invocatrice, moi elle me fait marrer. Plutôt cool. Plus ça. Elle va invoquer des items, l'OMDR quoi. Les Il y objets aura un plutôt. totem. Non, il n'y aura pas de totem. Une chamane là. Disons. Alors. On va prendre le petit spellbook des invocateurs. Plus de ça, merde, il faut que je leur donne des trucs et tout. Pif paf pouf, pif paf pouf. Ah voilà, c'est bien ça. En fait, j'ai dit, est-ce qu'on fait une cartomancienne? Parce que ça va changer un peu ses spells. Mais en gros, il y a cartomancienne. Dans le jeu de base, en gros, t'as cartomancien, tu as animal, essaim, tu as pièce de jeu. Après, tu as. Ouais, ta pièce de jeu, ta cartomancien, animal, essaim. T'as aussi. Bon, après, t'as nécromancien, mais nécromancien, c'est un truc à part. Je sais pas quoi lui faire. Cartomancienne ou pas, en fait? Cartomancienne, ça peut être très drôle. L'air de tirer. Ouais, hein. J'ai envie de dire. De quoi? Pourquoi pas? Pourquoi pas quoi? Pourquoi pas une carte ancienne? Allez, on peut faire ça. J'aime bien avoir un avis tranché, tu vois. Un avis de type très tranché. Bon, d'accord, ok. Du coup, ce sera une cartomancienne. J'ai pas une wrap en fait le RHS. Je me disais c'est bizarre, j'ai pas le même type, ça marche pas. Comment? Ligne 17, faut que tu mettes MDF Kind Object. Sinon, je Ah pense que ça ne va pas compiler. bon, déjà que d'après le compléteur ça compile nulle part. Parce qu'il trouve pas les headers de NLC, du coup il pète un peu le câble. Ah merde. Mais je crois que c'est ce que en fait le fichier a jamais été compilé. Du coup il est pas dans les compile Ah. commandes. Ouais, Et ok. du coup vu qu'il se base là-dessus, C'est tout ce il est qui est rouge, complètement oui, tout ce presque. qui ça marche pas, c'est ça? Ouais, tu le vois en bas là, c'est marqué, tu vois, genre no member kinds in an space MDF, Ok. no type RHS, machin, tout ça, Ouais, c'est complètement qui? presque. C'est Ça pas où regarder en fait. me fait pareil à ma maison. C'est pas très grave, de toute façon. Ça met des couleurs, c'est sympa. Lol. C'est ça.
Ouais, du coup, j'ai l'objet maintenant, donc je me suis complètement gouré parce qu'en fait, c'était pas sur les définitions qu'il fallait faire, c'est sur l'objet. C'est bien quand même. Ok. Attends, il y a une carte qui descend. Déjà changé de manière de faire. Mais... Donc là, normalement, je récupère un tableau. Du coup, get de array de. Du coup, c'est quoi que je l'ai nommé screen? Position. On peut itérer dessus sans forcément le mettre dans un vecteur. Oui, tout à fait. Une fois que tu as récupéré les éléments. Vu que là, c'est pas vraiment un tableau, c'est la représentation de la position, j'ai pas besoin de. Héros. Tu peux récupérer les éléments en. Tac. En float, en fait, et après tu itères dessus. Ou alors tu fais directement un crochet 0, crochet 1. Le tableau. Ouais, je peux directement accéder. Est-ce que je peux acerter sa taille du coup? J'ai un truc là. Ouais, il va pas me du coup. Normalement, ouais. Mais c'est normalement une fois que t'as le. Enfin, quand tu fais un get MDF array, après il faut que tu fasses point element pour choper les. Iterations. Ouais. Du coup, t'as un point size dessus? Oui, tu peux faire comme ça. Sinon en fait t'as une méthode element qui est templétée et qui te renvoie une vue sur les éléments avec le bon type. Je vais regarder ça du coup parce que... Ouais je sais pas, c'est bizarre. C'est types.hpp hein, c'est ça? Ouais, je pense bien. Ah, il est là. T'as un iterator, ouais. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait une méthode templétée pour récupérer le. On le voit pas sur l'écran ce qu'on fait en tout cas. Je sais pas si c'est volontaire. Ouais, c'est le code de types.hpp quoi. Je vais le voir chez moi parce que. Tac. T'as une méthode qui s'appelle elements normalement. Tout à la fin. Et qui te renvoie un proxy. Ah, mais parce que je me. Merde. J'avais bugué avec le proxy, je me disais c'était à la fin de la classe, mais non, pas du tout. Non, c'est interne. Ça va le chat? Une question? Quelque chose? Qu'est-ce que vous voulez voir en premier? Tout ça, tout ça. N'hésitez pas. Je crois qu'ils sont tous syndiqués en fait. Ouais. Ils sont tous partis syndiqués. Non, mais vous êtes déjà syndiqués, commencez pas. Non, mais pas nous, mais le chat. Ah, nous on l'est, mais le chat l'est peut-être pas. Ah non, un syndicat du chat, non mais quelle horreur. Syndicat autonome du chat. Bah nous ça va, c'est Ninja, tu sais, la routine. Le code. J'avoue. Ouais non, on va pas exploser si la size est différente de deux. Parce que ça j'ai le droit de le faire normalement. Zénine va nous représenter. Oui. Oh merde. Yes. Oh merde. Ça a bien négocié avec la direction ça. Oh putain. Oh non, je peux pas jouer à Aquaponé. Je refuse. Je refuse. T'as pas le choix. Si, je refuse. Ceci n'est pas une démocratie. Vocats alors. Non, mais c'est bon, commence pas. Ah, c'est une démocratie ou pas? Non, c'est pas une démocratie, mais commence pas. C'est pas une démocratie, Gagnette, c'est pareil.
Et il a raison. Commencez pas. Calmez-vous. T'as j'avoue. Ouais, du coup. Bordel, mais elle est où cette carte? Carte de la faucheuse, non? Carte du soleil. Je vais encore te voir un graphique engine. Ah! Quel plaisir. Ah, mais j'ai qu'à lui donner ça aussi, lol MDR. Je vais chercher mes 500 signatures, je reviens. Alors, ces 500 signatures, si tu veux pas les mettre aussi sur le stream, là, pour qu'ils viennent juste follow, comme ça on pourrait directement uploader les VOD, ce serait moins chiant. Parce que du coup, on est à quoi? On est à 31 follow. On arrive à 50, ce serait parfait. Ceci n'a rien à voir avec l'argent. Ramener des bottes. Non, des super bottes en cuir. Oui, j'essaie de profiter de ta campagne. Et non, des bottes, non, merci. Mais profiter de ta campagne parce qu'il est en métropole, lol. Dis donc. C'est tout pour moi. Honteux. C'est honteux. Du coup, en fait... faire auto. Ah. Et c'est pas une rêve du coup, c'est un trouve l'objet direct. Mais il le crée pour toi gentiment, c'est ça? Ouais, vu que c'est juste une vue, c'est pas bien lourd, donc ça le crée à chaque fois. La drogue, c'est de la merde, ils ont dit à la télé. J'ai bien fait de pas essayer de l'utiliser plusieurs fois du coup. Du coup, c'est Elements. Oui. Float. Et du coup, en fait, ce que tu pourrais faire même... Ouais, je sais pas, comme tu veux, mais... Le test de la taille, tu peux le faire direct sur le proxy aussi, tu veux. T'es pas obligé de faire le truc intermédiaire. Certes, mais en même temps, si je le fais avant, tu vois... Ah, ou alors je fais directement le get et j'appelle directement le proxy dessus, tu veux dire? Ouais. Genre ici en fait. En fait ici c'est un auto-const. Alors, je me demandais si le nombre sur chaque ligne sont vraiment significatifs ou si c'est juste pour s'y retrouver dans la ligne de code. Et bah non, c'est le numéro de la ligne depuis le début du fichier. La ligne du texte, ouais. Mais du texte là par exemple on a du retour à la ligne automatique parce que ça excède la taille de la fenêtre, donc c'est pas une nouvelle ligne, donc il n'y a pas le numéro de ligne. Le numéro de ligne est super intéressant, notamment quand on a des erreurs de compilation. Parce que le compilo il va nous dire attention à la ligne 48 du fichier Intel, t'as fait ça et c'est pas légal. Ouais, du coup on a besoin de voir un peu ça quoi. Et c'est pratique aussi pour se communiquer entre nous. Au lieu de dire ouais c'est après le troisième if, bah, je dis bah, regarde 24, ça fait nickel. Donc c'est pratique pour se repérer dans un fichier globalement quoi. Ouais. Voilà. Ouais, ça. Mais c'est une bonne question. Parce qu'en plus hier on n'avait pas le numéro de ligne. Bah, ouais. C'était la merde. Exactement. Enfin, on l'avait mais de manière dissimulée, mais c'est bon. Là, on l'a sur chaque ligne dans la marge, en fait. Mais sinon, il est affiché ici aussi. On a la colonne aussi. La colonne, c'est un peu moins important, on va dire. Après, il y a différents modes d'affichage. J'ai vu des gens qui... où les numéros, en fait, c'était en relatif par rapport à là où était ton curseur. Ouais, ou par rapport aux accolades aussi. Par rapport, ouais. Alors moi ça me perturbe beaucoup parce que j'ai pas l'habitude, mais je pense que ça peut être pratique aussi selon
Bah, ça doit grave être une question d'habitude, mais je t'avoue que là... En vrai, le numéro de ligne depuis le début du fichier, ça me convient très bien, je vois pas pourquoi tu l'enverrais. Je suis assez d'accord. Ok, donc on a les positions, on a la size, c'est bien, et il reste le pire. Je change de perso. Au revoir. Non, c'est une question, tu fais combien de persos? J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup déjà. Quel est l'objectif? Je vous ai une question en début de stream. Alors non, là, non, il a complété la question en fait. Parce que en fait la première question c'était il y a combien de persos déjà créés? Et là Galga t'a renchéri sur quel est l'objectif? Oui, l'objectif est intéressant. Alors l'objectif, moi je pars du principe que on peut essayer de faire 5 pour chaque classe. D'accord. Mais pour l'instant on va se limiter à 3. Il y a combien de classes? La dernière fois je l'avais dit, merde, et j'ai oublié, donc du coup je vais devoir recompter la main, excuse-moi, 2 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je peux faire pareil, je peux faire directement la view en MDF object. Complètement. 14, 15, il y en a 15. 15. Ok, donc tu vises 45 pour l'instant et en finale 75. Alors ça c'est parce que j'ai tout détaillé, mais après, si jamais je pars dans le gros de chez gros, ce serait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 90 en tout. Okay. Non, 6. 6, parce que du coup en gros j'ai réuni tous les guerriers, enfin toutes les classes guerrières ensemble, tous les rôdeurs ensemble. Tous les voleurs ensemble, tous les prêtrises, genre lumière, en gros tout ce qui est prêtre, père et mère de douleur, druide, chaman, c'est ensemble. Mage, donc tout ce qui est tous les types de mages quoi. Et les invocateurs. Okay. Et avec les néoconventions. En gros ça fait 6. Ok. Ce qui fait du coup 18. D'accord, ouais, ça fait moins de. 18 c'est déjà pas mal, en vrai. Oui, franchement, oui. Juste pour voir, pour voir en fait comment ça fonctionne. Donc si jamais je pars de ce principe-là, les guerriers c'est fini, j'ai fini. Les assassins j'ai fini. Les rôdeurs il m'en manquerait un. En fait j'aurais déjà fini en fait, parce que là du coup on en est à 20 déjà. Attends, on a déjà fait 20, ok. J'ai déjà fait 20 et après. En faire plus, ça te permet un peu de piocher et de garder les plus intéressants. Parce que du coup, en fait, aussi à la fin, en gros, il y aura peut-être aussi la sélection de ce qu'on garde, ce qu'on garde pas, en fait. Oui, c'est ça. De ce qui est ok, pas ok, tout ça. Est-ce qu'on refait certains héros, ou est-ce qu'on les discarde direct parce qu'en fait, le gameplay est pas assez intéressant, ou en gros, ils sont trop anecdotiques pour que ça marche. Tu vois, tout ça, en fait. Ouais, ils n'ont pas assez d'intérêt par rapport aux autres. Voilà. Après, il y aura tout un truc comme ça. On pourra revoir par rapport à ce qui s'est fait ou quoi. C'est ça l'idée. Voilà. Donc on va pas faire ce personnage là du coup. Pour l'instant c'est l'usine. Pour l'instant oui, mais c'est ça qui est drôle. Du coup on fait tous les héros qu'on veut. Ouais, on pourra même les fusionner si jamais il y a un problème, tu vois, en disant en fait non, lui il a les capacités plus sympas et par contre l'idée est plus cool, donc du coup on fusionne. Ok. En mode bonjour. Après le but, il faudrait aussi que toutes les races et classes soient un peu représentées, tu vois, histoire de voilà. Ouais. Sympa. Alors, la question, y a-t-il des devs qui font du code en light mode? Alors. Ça existe. Je pense qu'ils sont. Ils ont une santé mentale. Ils sont moins nombreux que ceux qui codent en dark, mais ça existe, et en vrai, c'est pas complètement déconnant tant que tu travailles pas la nuit. Ouais. Et parce c'est une mauvaise habitude au final d'avoir le dark. Parce que le dark, j'avais vu, tu me diras, c'est peut-être pas ça que t'avais en tête, mais c'est que vu qu'il y a pas mal de trucs qui n'ont pas de mode dark, en fait, quand tu switches entre dark et light, et ben, ça t'éclate les yeux. Ouais, c'est plus mal aux yeux que d'être tout le temps sur du light. A priori. Carrément. Puis en vrai, le dark mode, ouais, il est important quand t'as pas forcément une luminosité très forte autour de toi. C'est une mauvaise pratique en vrai. Genre autant juste avoir de la lumière autour de toi. Attends, mais.
Mais en général, je connais très peu de gens qui ont essayé des dark modes et qui sont revenus sur le light après. Quoi. Ouais, ça par contre, ouais, c'est... Mec, c'est comme et tout, hein. Tout est en dark mode chez moi. Le message, once you go black, you never go back. Tu meurs. Est-ce qu'on se ferait pas un truc sympa là? Ah bah je préférais que tu fasses un truc pas sympa. Ouais. Il y a une race qu'on n'a pas bien représentée, enfin en même temps c'est pas vraiment une race. J'en avoir une idée si vous voulez. J'en avoir une idée qu'on pourrait faire après, c'est qu'une fois que ça sera branché sur les data, bah, ouais. Tu sais, dans le mail là, tu sais, il y a un truc qui te renvoie, où tu renvoies un résultat et tu peux envoyer genre un restart pour relancer tout ton programme en fait sans relancer vraiment le truc. Ouais. Et ben en fait, on va, si ça te chauffe, implémenter un input où tu appuies dessus et ça va recharger toutes les data. Comme ça, tu pourras faire tout en interactif sans même relancer l'exécutable. Ça, c'est bien, ouais. Carrément. Et en plus, ça te fera voir un peu les inputs. Si ouais, de toute façon, les inputs, c'est le prochain truc. Hein. Une fois que le menu il est fait. Ouais. Là, je suis en train de bugger. Est-ce que du coup, maintenant, il faut que je gère les objets? STPS Game. T'es sur Unreal? Salut, STPS Game. On n'est pas sur Unreal, non. Point du tout. On a arrêté Unreal. La question, c'est pour le par rapport au code ou par rapport au personnage? Ah non, aucun des deux sur Unreal. Aucun des deux. Là, c'est du mock-up à la con. Tu fais du Unreal toi, STPS? Dommage, c'est gratuit Unreal? Oui, c'est gratuit. En fait, je crois qu'ils récupèrent de l'argent sur les royalties du jeu. Ouais, je crois que c'est si tu dépasses genre et 1 million de bénéfices. Ouais, c'est ça, il faut déjà avoir vendu un certain nombre avant qu'ils commencent à prélever. Pour les petits jeux, ça peut être intéressant. Ouais, pour les indés, ça marche bien. Après, c'est. Ouais, c'est une affaire de goût, hein, parce que c'est. Spécial. Je me lançais dans la programmation. Sachant que je n'ai jamais touché à la programmation sauf le blueprint. Ah bah le blueprint là-dessus c'est super pratique hein. Que le blueprint c'est les petites box, c'est de la programmation nodale. C'est super pratique du coup parce que du coup il n'y a pas vraiment de code à écrire parce que les nodes en eux-mêmes connaissent le code qu'ils doivent effectuer. C'est vachement plus verbeux. Pour les gens qui maîtrisent pas la programmation, c'est sympa. Du coup, ça vaut la prog à tout le monde. Ouais, exactement. Surtout designer et level designer, c'est vachement pratique, même dans les grosses boîtes en fait, parce que ça leur permet de faire des tests, des protos ou des trucs comme ça, sans avoir un dev avec eux, qui accélère quand même pas mal les process. Ça, c'est cool. Et du coup, GetGet, là, je peux récupérer le nom de l'objet dans la red component. Alors, où en es-tu? Là du coup j'itère sur les MDF objects. Ils sont dans. Oui, parce que un MDF object en fait c'est une map. Dedans t'as des paires. Tu peux itérer avec le nom et le RHS qui va bien. Je sais pas si tu vois.
je conçois. J'essaie de regarder l'interface du coup, pour voir comment traiter ça. Mettre un get où tu passes le type de l'objet que tu veux récupérer et le nom de la propriété. Et tu vois, le type de l'objet, il va défendre du coup du nom, en fait, que... Ouais, bah en fait, ce que tu peux faire, c'est... Tu peux itérer dessus. Tu peux faire un for, classico, je pense. Sur l'objet directement ? Il me semble, ouais. Du coup, ça va me donner quoi? Ça te donne. Alors, sur l'itérateur, ça te renvoie une paire clé-valeur. Donc, tu peux itérer en faisant un structure binding. Est-ce que tu vois ce que c'est? Pas vraiment. Là, comme ça. Ok, bah vas-y, commence à faire ton for, je te guide. Je suis sur la structure de l'objet là, je vois pas. Quoi, tu me dis, va faire un for dessus. Ouais. T'as des itérateurs qui sont définis en fait. Sérieux? Je les vois pas, putain. Ouais, sur. Ah non, c'est sur map, c'est pas sur object, je suis con. Bah, c'est normal que sur une map tu puisses itérer en key value. Ouais, ouais. Attends. C'est pour ça que je comprenais pas ce que tu me disais, c'est pas du tout la bonne interface. T'as un for each tout en bas de object. Mais le for each il fait quoi du coup? C'est sur les properties de l'objet Ouais, c'est ça, tu lui envoies une lambda qui prend en paramètre un nom et un field qui sera un RHS. Et voilà. Et du coup, le nom vraiment est là, tu vois, dans l'exemple, il va me renvoyer container et le RHS de derrière. C'est ça. Non, par contre, components, t'as mis un... C'est un tableau. Non, c'est un tableau, ok. Parce que du coup, il faut que tu mettes... Ce qui te manque, c'est... Autour du container, il faut que tu le mettes dans des parenthèses, en fait. Pour que ce soit un tableau de MDF Object. Attends, quoi? Autour de container, il faut des parenthèses? Oui. Quoi, parce que ça c'est pas un objet du coup? Bah là, si t'enlèves container égal, tu vois, ça te fait un objet. Mais du coup, tu sais pas. Tu sais pas, tu peux pas avoir accès au nom de container. Par contre, si je l'ai. Si ça, tu si mets container égal, il sait plus ce que c'est. Ouais. C'est bizarre. Du coup, faut lui dire en fait, ouais, il y a un objet avec. C'est ça, avec un champ container qui contient tous ces trucs-là. Du coup, ça va être pareil ici avec texte component. Oui. Pour nous, ça, punaise. Moi, je me disais que du coup, il partait du principe que c'était un objet naturel. Je pose la question et je pense pas que ça marche. Parce que du coup là il va créer un MDF object sans type entre guillemets avec une property container qui vaut un objet aussi quoi, c'est ça. L'idée. Là, ouais, là du coup ouais, je vais pouvoir faire ça. Donc là faut que je fasse un for each du coup. Ouais. Mais c'est sur l'objet directement. Ça c'est une méthode. Ouais. C'est rare de voir cette norme. Salut Cédric, passe une bonne soirée. Bonne soirée. Ah oui, il respecte pas trop la norme, ce nom de fonction là. C'est ce qui me semblait, après je me suis dit, bon, je vais rien dire. Mais le getRHS, c'est pareil, j'ai l'impression. Ouais, je pense que ça a été écrit avant. C'est peut-être vieux.
avant qu'on fisse les noms. Ouais, du coup, je peux lui envoyer une lambda, du coup. C'est ça. Après, qu'est-ce que je devrais faire dans cette lambda? C'est une question. Parce que du coup, en fait, c'est là qu'il va me falloir mes tableaux associatifs, en fait. C'est là où tu vas créer le truc, ouais, et puis l'insérer dans ton... dans ton widget. Donc, on va le faire tout de suite, hein, comme ça, tout à fait. Ah oui, oui, ok. Ah, je joue encore. Ah non, c'est la fonction du jeu. Donc. Donc là, on n'a pas de capture, on va prendre une LCG. Là, du coup, ça va te créer un objet polymorphique dont tu auras un pointeur, j'imagine. Bon. Puis ça va te renvoyer un unique pointer. Ça devrait. Tu passes widget component. Okay. Donc, du coup, tu n'es pas obligé de le mettre en optional parce que tu peux renvoyer nul dans ton unique pointer et ça fera le taf. Base component. Tu vois, il trouve bien mes types à moi, mais ceux de NLC là, il les trouve pas. C'est marrant. Ouais. Ouais, c'est parce que tu l'as pas compilé. Ouais, mais du coup, il arrive quand même, tu vois, à déduire les types locaux, mais pas... Ouais, c'est... il va pas chercher dans les include pass. Je pense que c'est les include, en fait, qu'il arrive pas à trouver. Mmh. Il doit pas trouver les include NLC, du coup... Par contre, les autres, vu qu'elles sont locales, tu vois... Oui, c'est ça. Il part de la position et de voilà. Roulet, il les retrouve. Du coup, ouais, de base widget component... On aura un objet en effet. Peut-être même un RHS. Comment que tu fasses la conversion en dehors de la. Bah sur celui-là, c'est ce que j'avais fait. Ouais, tu peux mettre c'est en. Vrai ouais. Que... Tu peux te faire la conversion. Faire la conversion avant d'appeler ton loader, comme ça tu le refais pas dans chaque loader quoi. Ouais, c'est ça en plus. Loader, faut le refaire. Bon, autant éviter. Parce que c'est chiant, parce que du coup les deux fonctions, elles ont pas les mêmes. Les mêmes prototypes, tu sais. C'est un peu dommage, mais c'est pas très grave non plus, quoi. Tu sais, entre le loader de widget et le loader de component, ce sera pas le même type de fonction, c'est un peu con, mais... C'est vrai que de le faire dans chaque loader, ça va être juste chiant, en fait. Donc autant éviter. À droite, c'est ça. Ouais. Donc là, là va falloir commencer à normer les noms des trucs. Donc container. Là, je me pose la question de est-ce que j'appelle ça container et texte ou est-ce que j'appelle ça container component ou, texte component? Là, c'est l'éternelle question. Ouais, j'ai déjà les deux différents. C'était sûr ça? En vrai, je vais mettre component partout, je pense. Ça explicite un peu le type au moins. Quoi. C'est plus facile à retrouver dans le code après. Ouais. On va faire.
Donc on a dit qu'il prenait un nom en paramètre, c'est ça? Non, il prend le nom et le fil. Pour les captures locales, faut lui spécifier si tu veux pas prendre en référence ou quoi, non? Ouais. Tu peux juste spécifier, ouais, je veux juste capturer ça. Bah, faut mieux que tu... Ouais, si ça met en référence. Sinon, si tu fais une copie, bah... Du coup, tu fais comment? Tu mets un esperluette, et après le nom de ta variable. C'est après, quand même, du coup. Il faudra aussi que tu prennes res widget. L'allocateur, non? Et l'allocateur. Res widget. Ah, red widget? Ouais, red widget. Ouais. Pour mettre les choses dedans. En effet, ouais. L'allocateur. Ça fait beaucoup. Tu vas mettre un. J'ai pas prévu tout ça. Ah, esper widget à chaque fois, par contre. À chaque fois? Ouais, sinon. Parce que ouais, tu peux avoir différents types, bien sûr. Exactement. Et du coup, il prend en paramètre un nom. C'est une string view, du coup, le nom, ou... Tout à fait. String view. Et du coup, un df, un hs. Exactement. C'est ça? Aïe, ah, je me suis fait mal. On va faire ça. Je joue quand. Mais c'est formaté n'importe comment aussi. Tu les formates comment, toi? Ben, en faisant CTRL S. Ouais, mais je veux dire, genre la parenthèse, tu la ramènes où? En bas ou... Tout à gauche. Ah, la parenthèse, je crois qu'elle se colle à la colade. Fermante. Ouais, comme c'était avant, quoi. Comme ça. C'est une ligne dessus, quoi. Ouais, comme ça. Y a pas genre des flèches à mettre à un moment pour les lambda? Non? Je veux spécifier le type de retour, mais. Là, c'est void. Enfin, en général, c'est déduit automatiquement. Ok. Voilà, il n'y a plus qu'à. Est-ce qu'il va réussir du coup à convertir en string view le const char étoile? Je sais pas. Faut le tenter. Je là. Seconde. C'est la VHS qu'on doit lui envoyer. Ah ouais, mais il faut le NRAP. Ça. Mmh.
pense que ce sera un objet dans tous les cas. Je vais quand même vérifier, non ? Du coup, on peut le faire carrément avant ici. Oui, tout à fait. Faire directement le is sur le RHS ? Def object non c'est pas ça oups Return. Donc le RHS, du coup, c'est là qu'il faut le unwrap, c'est ça? Ouais. L'unwrap, il prend le type ou... Je pense qu'il faut que tu fasses plutôt MDF de point de point unwrap et que tu passes le RHS. Je sais pas si il faut pas qu'il y ait une méthode unwrap dans RHS. Bon, je l'ai fait. Nice. Directement comparer le unique PTR avec un NLCM. Avec nul PTR, tu peux. Avec nul PTR, c'est pas un NLC nul. Non. Je pense que c'est un pointeur. C'est quoi un NLC nul alors? C'est pour les optionnels, c'est un type. Ah c'est... oui. Enfin c'est un type exprès. Donc component s'il est nul. Il y a de la concaténation incroyable comme ça, avec des plus ou pas du tout? Avec des virgules. Des virgules, très bien. Des verargs, là. Exactement. Component of type, c'était quoi? C'est... Name. Est-ce que du coup on arrête si on trouve pas ça ou pas? A priori tu vas pas retrouver le nom autre part dans ta... Moi je sais pas. C'est un problème si t'as un loader. Très problématique en fait si on arrive là. Ouais. Du coup là on a le RedJet. Content. Append. Il va falloir que tu le move, je pense, sinon on va pas être content. Mais c'est move qui est dans Beta Basics. Basics. Il y a beaucoup d'inputs qui ont disparu là-bas. Il y a des trucs qu'on aurait utilisé, il y a les optionnels, on les a, le move il est dans Basics aussi. Oui. Ce que j'ai demandé, non? Oui, ouais. Tout à fait.
Les vecteurs, on les a pas. Oui, si tu en as un besoin. C'est fondamental, les vecteurs. Non, c'est containers. Exact. Sur moi, ça. Donc là, normalement, ça appelle le loader correspondant, ça append dans les components, ça te renvoie le component. Ouais. Peut-être que tu peux break le widget. À la fin du widget. Non. Ouais, carrément. On peut même return en fait. Le return, ouais. On va break, des fois qu'on aurait des trucs à faire après, sur un malentendu. C'est là où ça va devenir marrant parce que le container du coup il devra faire la même chose mais appeler le load widget quoi. Ouais. Définition ouais. Container et texte. Non, ça c'est le container, je voulais pas faire le container. Je veux pas. Le texte du coup il a une property text, property color, une property font size. C'est reparti. Donc. Est-ce qu'on est des nazis ou pas? C'est non. Ça existe les strings du coup directement. C'est string joue que tu récupères dans le test. Ouais, mais le type kind. Ah, oui. C'est string du coup. Ouais. String, oui, tout à fait. Message d'erreur. Il peut pour envoyer mille Peter directement et pas mille Sinul en fait. Ok, ça c'est bon. Après, je me disais, color et font, on peut peut-être mettre des valeurs par défaut en fait. Peut-être qu'il y a déjà des valeurs, il y a déjà des valeurs par défaut. C'est toi qui vois. Ouais. On peut même mettre des valeurs par défaut configurées dans le MDF. Genre qu'il va chercher un autre MDF pour aller récupérer les valeurs par défaut. Ça ou que dans ton même MDF t'as des variables. Default color, default font size, tu les mets.
Ça va vite devenir compliqué. On va pas faire ça tout de suite. Ouais. Et déjà, en fait, si on accepte les valeurs par défaut, si présente, il faut un constructeur qui accepte les valeurs par défaut. En fait. Non, non, pas. Peut-être qu'à mettre les valeurs dans le constructeur. N'est-ce pas? Dit. Tu peux mettre les valeurs dans les par défaut dans les arguments du constructeur. Ah ouais, c'est vrai, je peux. Ouais. Je ne fais pas chier. Ouais, mais du coup, tu vois, tu peux avoir une inconsistance entre les valeurs par défaut assignées ici et celles du constructeur, alors que si t'as un deuxième constructeur avec juste un texte, t'as pas ce problème-là normalement. Ça devrait être bon. J'ai fait ça moi. Mais ça par contre ça marche pas si t'en as un mais pas l'autre qui est défini. Un mais pas l'autre qui est défini. Genre c'est dans ton paramètre, tu veux dire ? Dans tes données, si tu définis la couleur mais pas la font size, ça va t'embêter. Ah c'est vrai. On va passer par les... Ouais, mais en fait, c'est le même problème. Parce que là, tu vois, si t'as la font size, mais pas la couleur de défini, t'es niqué. Ouais. Je pense qu'il faut que tu laisses tous les arguments ici, et que tu définisses en statique, par exemple, un défaut de color et un défaut de font size, et que ça soit géré après au niveau du loader. Et que le loader, il renvoie tout. Et après, il y a toujours une couleur ou un font size, tu vois, juste, il va prendre soit celle qui est par défaut dans la classe, soit celle qui vient des data. Messieurs, ouais. Il nous reste 5 minutes si on veut tenir juste les délais au strict sensus. Ouais. Oui, puisqu'en plus, il faut que je mange pas trop tard ce soir. Ouais, t'inquiète, moi j'ai toujours pas fait ma prière à la fonte, donc. Je vais faire ça avant de dîner. Je fais pas de mini type, sans toi. De quoi ? Est-ce que du coup je peux lui dire ben, tu prends des fonds de couleur ici? Oui. Non, alors j'ai le droit, c'est constex. Peut-être que tu le mettes inline constex. Je veux pas te faire inline. Ouais, parce que sinon il va te. Ah non, mais en statique ça doit passer. Comme ça, ouais. Non, ça doit aller. Quand c'est pas statique. Il dit, oh, c'est du CPP17 que tu me fais là, c'est un peu. Et alors ? Si c'est pas statique, demande peut-être de faire l'instanciation dans un CPP. Ah oui. Je pense qu'en statique, il en statique, par contre, il t'embête pas avec ça, je crois. Ça devrait le faire. C'est compliqué. Allez. Ok, comme ça c'est bien. Ah bah il faut que j'y aille. On va s'arrêter là. Oui. Comme ça on se réserve le load du texte et des containers demain. Si on est véloce, on aura MDFI et le menu d'ici demain. Et ça sera... Ouais. Après t'as pas encore essayé de compiler. Non. Je veux voilà. Même pas essayer, tu vois. Parce que là, je sais qu'il va me chier partout sur les murs, là. Et tu compliques pas assez. Ouais, mais en même temps, là... Ouais, si tu vas me dire, je pourrais compliquer, parce que les fonctions, elles sont définies. Bon, mais bah c'est trop risqué. Bref. Ouais. Je lance la fin. Bonne soirée, 4GAT. Oui, bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous et à toutes, et on vous dit du coup à demain aussi encore, ça 18h, 20h. C'est ça. Bonne soirée, chat. Prenez soin de vos tulipes. Allez, tchou tchou. Prenez soin de vos tulipes, comme dit l'autre. Salut.